Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on espère que vous allez pour le mieux avec Vince. On vous prépare une petite vidéo très spéciale aujourd'hui. On va voir les nouvelles icônes Coupe du Monde qui ont été ajoutées à la base de données. Donc là tu peux dire, mais qu'est-ce que vous racontez les Twins? Oui les gars, il y aura des nouvelles icônes qui vont sûrement arriver sur FIFA 23. On en a déjà vu deux dans les jetons World Cup avec Patrick Vieira et Cafu. Donc voilà, ces icônes là sont quand même relativement hype et j'espère les voir assez vite dans FIFA 23. Si tu kiffes la vidéo, le gros pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en activant la petite cloche des notifications. Et à la fin de la vidéo, je veux que tu nous dises l'icône Coupe du Monde que tu voudrais absolument avoir. Attention les gars, on en a déjà vu seulement deux. Il y en a 35 en tout. 35 icônes Coupe du Monde. Et je trouve que c'est passé un peu sous le radar les gars. Ouais, ces derniers jours, il y a tellement de contenu qu'en fait, on en a carrément oublié que les icônes Coupe du Monde allaient arriver. Aussi, c'est une récompense dans les swaps Coupe du Monde. C'est une petite récompense, je crois que c'est 35 jetons, si je ne m'abuse, d'avoir un des trois choix icônes Coupe du Monde. Donc là, on va voir tout de suite ensemble, les gars, les nouvelles cartes icônes Coupe du Monde. Moi, ça me hype aussi parce qu'il y a pas mal de changements d'étoiles de gestes techniques et de mauvais pieds selon la base de données, les gars. Alors, on est sur le site Futi. On va te mettre le lien dans la description, ouais. Comme ça tu pourras checker par toi-même. Donc voilà, ce sont toutes les icônes de la Coupe du Monde que nous avons obtenues de la base de données FUT. Donc voilà, ces cartes-là ont été ajoutées dans la base de données FUT. À voir maintenant quand est-ce qu'elles vont sortir, soit dans les packs, soit dans les objectifs, soit dans les SBC. À voir tout ça, mais ça paraît très intéressant. Donc c'est parti les gars, on va commencer par Miroslav Klose, un joueur emblématique de la Coupe du Monde. Et comme tu peux voir, là il a pris un up de skill move, donc là il passe en double 4. Franchement les gars, cette carte peut être très sympa, surtout qu'il peut être en mode lenti. Tu peux voir que là si tu lui mets une carte, un attribut skill qui peut rajouter de la force, il peut passer en lenti, le Miroslav Klose. Donc voilà, tous les frérots qui sont sur PlayStation 5, Xbox Series S, X et PC Stadia, cette carte là peut être très méta je trouve. En plus il a élevé en attaque, moyen en défense. Non franchement cette carte là peut être très sympa. Et comme c'est un joueur emblématique de la Coupe du Monde, on voulait commencer cet épisode par lui. Donc voilà les gars, prenez une petite boisson parce que cette vidéo risque de durer peut-être un petit peu longtemps, parce qu'il y a pas mal de cartes à disséquer. C'est pas une tier list, non, mais on voit, voilà, on voulait juste vous montrer ces petites cartes qui m'avaient l'air très intéressantes, donc personne ne parle. Donc ça sert vraiment, personne ne parle, et franchement les gars, il y aura des bangers dans cette vidéo. Là on a vu des cartes, c'est incroyable. En parlant de banger, Luis Hernandez, double 4, ça bouge pas, style explosif, mais regarde, il prend un up de mauvais pied. Excuse-moi, oui, exactement, il prend un up de mauvais pied, parce que normalement il a 3 étoiles de mauvais pied sur ses cartes icônes. Là tu peux voir les attributs in-game. 94 d'accélération, 91 de vitesse, mais surtout 93 d'agilité, 85 d'équilibre, des stats de dribble franchement très très bonnes. Et en plus de ça, il a un petit côté in-game que j'aime bien avec sa petite coupe de cheveux. Franchement, ça peut être une très très belle icône à tester, tout en sachant aussi que voilà, c'est pas... Il va pas coûter très cher. Il va pas coûter très cher parce que c'est mexicain et les icônes cette année, c'est beaucoup moins hype que les Heroes. Et comme c'est une nationalité mexicaine, cette carte là sera pas très chère. Donc voilà, je pense que c'est une carte qui peut être énorme in game. Il sera pas très très cher, donc ça va être carré ensuite. Et l'extérieur du pied aussi. Et il a l'extérieur du pied, caractéristique extérieur du pied depuis la nouvelle mise à jour. C'est très très important les gars. Ensuite c'est Didier Drogba. Alors là les gars, c'est une carte dont je suis le plus hype pour tester, mais il va coûter ultra cher les gars, parce que là vous pouvez voir qu'il a pris un up de mauvais pied, 5 étoiles de mauvais pied les gars. Alors Didier Drogba, déjà cette carte là sur FIFA 23, elle est archi méta. Alors là, avec la 5ème étoile de mauvais pied, la 4ème étoile de geste technique, et cette carte là, franchement, ça va être une dinguerie. Il va coûter très cher, mais j'espère qu'ils vont le sortir en soi, en SBC, soit dans pas, je sais pas. Mais bon, ça va te coûter trop cher. Même en SBC, ça va être trop cher. Mais la carte qu'il a, les gars, imaginez Drogba avec 5 étoiles de mauvais pied et ses attributs là. Franchement. Ah ouais. C'est fort, hein. Comme Liam, moi c'est la carte que j'ai le plus envie de tester parce que c'est la découverte cette année Didier Drogba. Les années précédentes, bon, c'était pas ouf, tu vois. Là cette année c'est vraiment quelque chose. Didier Drogba, je suis hype de fou furieux. Les gars, on va enchaîner tout de suite avec le R9. Et je parle bien de le vrai R9, pas Liam avec sa coupe frauduleuse. Bon, il n'y a rien d'autre à ajouter, on sait déjà ce qui vaut. Double 5, une image dynamique de Dieu. Même la carte, les gars, on n'en a pas parlé du design de la carte, mais elle est juste exceptionnelle. C'est validé. Ce design de la carte est juste exceptionnel. On va s'attaquer du coup aux attributs in-game, tout en sachant que voilà, c'est du R9. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, parce que ça sera une carte qui sera limite même pas sur le marché, je pense. Une petite chose aussi, tu peux voir qu'elles sont un petit peu moins fortes que leurs primes. Les primes qui vont sûrement sortir peut-être au mois de janvier ou décembre, à voir.
C'est vrai que vu qu'il n'y a pas d'icône Moments, peut-être que les primes vont arriver un peu plus tard dans l'année. Donc voilà, c'est plutôt intéressant et voilà, ouais, franchement, cette carte-là, elle fait kiffer. En fait, ces icônes Coupe du Monde sont entre leur mid et leur prime. Exactement. C'est un entre-deux entre le mid et le prime. Moi, ça me dérange pas, en tout cas, c'est des cartes de fou furieux. Garincha, 5 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pied. Une carte de zinzin. Le seul problème avec cette carte-là, à chaque fois que je les teste en draft, je le trouve pas forcément si bon que ça. Il se fait trop bouger à l'épaule et physiquement c'est vraiment un problème. Après il est monstrueux, hein, mais il est moins bon que les années précédentes, le Garincha. Donc si tu l'as, Garincha, si tu l'as pas gagné dans ton pack ou si tu l'as déjà testé, dis-moi ce que t'en penses. Ça sera ses stats in-game, c'est très correct. Voilà, franchement, limite tu le fais jouer en 10 ou en tant que second buteur. Là je pense que tu peux tirer le meilleur potentiel de ce Garincha là. Ensuite il y a Cafu qui est en double 4. Et du coup Cafu qui est dans les swaps. Donc on peut potentiellement le récupérer si on fait combien, 35 ou 30 jetons. Je crois que c'est 35. Moi je crois que c'est 35 jetons et c'est 40 jetons pour Patrick. Exactement. Donc voilà. En tout cas on sait que Cafu ça sera du solide. Un très très bon défenseur droit, si ce n'est le meilleur défenseur droit du jeu potentiellement. Je pense, ouais. En attendant aussi, pourquoi pas, la carte outil du défenseur droit de cette année. Après t'as son Brota aussi qui peut essayer de titiller Cafu. Mais cette carte de Cafu, je vais pas vous mentir, je vais pas trop parler des attributs in-game, je vais plus vous parler de la photo qui est juste grotesque et qui apporte un flow incroyable à votre équipe dans FUT. Surtout pour une icône Coupe du Monde, cette dynamique là. Il y a quelque chose, franchement il y a quelque chose. Cafu en tout cas, on valide, même si j'espère que ça va tomber aussi sur le marché pour pouvoir l'essayer, parce que moi je vais pas les récupérer dans les icônes swap. Ensuite, pour tous les frérots italiens, on salue notre ami Marco. 5 étoiles de gestes techniques, ça bouge pas. 4 étoiles de mauvais pied, ça bouge pas. Par contre, la queue de rat, c'est ça? Ouais, je crois que c'est la petite, ouais, je sais pas comment ça s'appelle. Mais je sais pas s'il aura sur celle-là. Je sais pas aussi, il faudra voir du coup. Ça peut être ultra intéressant. Ok, il a une carte qui est vraiment intéressante, ce Baggio. In-game, bon, ce qui va lui manquer, c'est un peu la puissance de tir. Après, sinon, le reste, c'est très très bon. Vraiment, en tant que numéro 10, ça peut être assez intéressant et il peut t'apporter d'assez bons liens. Donc voilà, Baggio non valide, on espère que ça va pas être très cher. Ensuite, t'as forcément Eusebio. Que dire de cette carte-là, les gars? Franchement, une carte de zinzin. A voir cette année s'il est bon ou pas. Franchement, moi, j'ai hâte de le tester. On n'a pas encore les crédits, mais au moins, tester une de ces versions, ça peut être très intéressant. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas extérieur du pied. Ouais, sur cette carte là, le seul défaut c'est qu'il n'a pas extérieur du pied. Je sais que sur la version Prime ou la version Moments, Eusebio il a toujours l'extérieur du pied. Et ça peut être quelque chose d'assez incroyable. En tout cas, Eusebio, les gars, franchement, un roi. On va enchaîner tout de suite avec Johan Cruyff. Bon, les gars, c'est des grosses icônes back to back. Là, bien sûr, qu'il a extérieur du pied avec un turn of the foot shot. Il faudra voir aussi, les gars, s'il y aura des postes secondaires qui vont s'échanger aussi. Oui, avec les icônes Coupe du Monde. Là, malheureusement, on peut pas le voir là maintenant à l'instant T. Quand on vous présente ces nouvelles icônes. Par contre, Johan Cruyff, c'est vrai que c'est solide. Il n'y a rien. Que dire? Rien de nouveau. Bah oui. Pas de surprise par rapport à cette carte de Johan Cruyff. Et d'ailleurs, ils utilisent les images dynamiques, les gars, je viens de penser. Mais sur le FIFA 20 ou le FIFA 19. Oui, des anciens. Bah, c'est pas forcément ces FIFA précis, mais voilà, c'est sur des anciens FIFA, exactement. Des icônes Moments, ouais. Ensuite, t'as Lothar Matthäus, 3 étoiles de gestes techniques, 4 étoiles de mauvais pied. Mon soldat. Ouais, c'est mon soldat. C'est un crack. Bon, il a fait sur 20-0 avec lui au mitard, je peux dire qu'il bossait. Cette carte, elle est incroyable. Sur FIFA 23, il est très très bon aussi. Il peut avoir l'anti si tu lui mets. Je pense qu'il peut avoir. Est-ce qu'il peut avoir l'anti? Si tu lui mets un petit style architecte, je pense qu'il peut peut-être y avoir plus 14. Ouais, normalement, architecte, il peut potentiellement. Potentiellement. Après, faut voir avec sa taille, mais il y a peut-être moyen. Faudrait voir dès qu'il va sortir s'il peut être l'anti ou pas. Et d'ailleurs, les gars, tu peux juste retourner sur Lothar Matthäus. Les gars, il peut jouer MC, DC et MDC. Je viens juste de voir. Ça, c'est normal, hein, sur toutes ces versions. Ok. Sur toutes ces versions. Vincent, mais réveille-toi, gamin. Non. Vincent, qu'est-ce qui se passe? Autant pour moi, messieurs. C'est un joueur, c'est comme Desai. Genre, quand Desai est blanc, ils peuvent jouer DC, MDC. Ouais, c'est assez important. Ensuite, t'as Emiliano Butragueno. Et là, les gars, il y a quelque chose qui m'interpelle. 4 étoiles de gestes techniques. À confirmer si ça va être comme ça une game. Bah oui. À voir. Mais si c'est le cas. C'est une très belle surprise. C'est une très belle surprise. À la Didier Drogba. Oh oui, à la Didier Drogba. Et je pense que cette carte-là, nous, c'est ce qui nous freinait un peu avec cette carte-là. Là, maintenant, on peut écouter et on peut ouvrir les yeux. Ouais. On stream fort cette carte-là.
Emiliano Brotagoni va coûter très très cher, mais je pense qu'il peut être incroyable une game. Ensuite, t'as Carles Puyol qui peut jouer soit défenseur central ou à droite en tant que défenseur droit. Une carte de malade mental en tant que défenseur central, je vais pas vous mentir. Ça c'est typiquement le genre de carte là sur FIFA 23, elles sont trop jouables et ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer avec elles. J'ai hâte de le tester, surtout je pense pas qu'il sera ultra cher. Et c'est vraiment un joueur emblématique de la Coupe du Monde, en tout cas pour notre génération. Carrément. Carles Puyol qui a quand même soulevé le trophée en 2010. Et tu peux voir aussi body type, body stocky, c'est-à-dire que ouais, il est stock in-game et ça aussi ça doit aider pour être un défenseur central. Je vais laisser Liam parler sur cette carte là. Le jardinier. Oh, la carte de fou furieux quoi. En plus, il a extérieur du pied. Bon, bien sûr qu'il a 5 étoiles de mauvais pied. Bien sûr qu'il a 4 étoiles de geste technique. Bien sûr. On parle quand même du planteur de but du jardinier. Carte incroyable. Sur la photo, il transpire. Sur la photo, il avance bien. Il transpire bien sur la photo. Mais en tout cas, ouais, ça serait une belle icône à avoir. Et ça te donne d'ailleurs des idées. Hein. Si tu dois aller chercher justement le swap, la récompense, une des 3 icônes Coupe du Monde. Tu peux voir en fait les récompenses icônes Coupe du Monde. Elles sont quand même très 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 solides, je trouve. La prochaine icône, ce serait Iker Casillas. Bon, là c'est un goal. Là aussi un goal emblématique de notre génération. Maintenant voilà, c'est un goal. Je vais pas vous mentir, moi ça me hype pas plus que ça parce qu'en plus je suis pas espagnol. Bobby Moore qui peut jouer juste défenseur central. C'est très dommage parce que lui, s'il pouvait jouer au mitard, je pense qu'il aurait été un peu plus intéressant que ça parce qu'il a des super stats d'agilité et d'équilibre. Après, même au niveau de la passe, 91 de passe courte, 89 de passe longue. C'est vraiment pas mauvais, les gars. Ça, c'est à prendre en compte justement si tu veux bien relancer avec ton défenseur central. Par contre, je pense qu'il pourra potentiellement lui manquer un tout petit peu de physique. Parce qu'il fait seulement 1m78 et entre guillemets 72 kg in game avec un body tap average. Ouais, mais c'est pas forcément ça, je pense. Si tu le mets à côté d'un grand gaillard, je pense qu'elle devrait le faire. Moi, c'est plus au niveau de son dribble qui serait peut-être un peu gênant si tu le fais jouer au milieu de terrain. Mais en tant que DC, il peut être très très bon pour moi, je trouve. A voir cette carte de Bobby Moore, on l'a pas encore testé sur FIFA 23. A voir ce que ça donne. Ça peut être sous-côté, en tout cas. Exactement. C'est sous-côté. Ouh, et là, okay. Et là, on parle français. Du même standing que Didier Drogba, du même standing de Butragueño. On va parler de Luis Figo avec 5 étoiles de gestes techniques. Il peut jouer AD, MD et MOC. Là, messieurs, on entre dans la table des discussions pour Luis Figo parce que un Luis Figo avec son gabarit qui a 5 étoiles de gestes techniques, qui est en plus extérieur du pied et qui a des très 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 bonnes stats in-game avec 87 de tir, 91 de vitesse. Regardez-moi les gars sa carte et sa fiche technique. Tu peux voir qu'au niveau du tir, c'est très solide au niveau de la passe. 92 de passe courte, 87 de passe longue. 90 d'agilité, 81 d'équilibre, il va coûter très très cher. Et je peux vous dire les gars que Luis Figo va être assez incroyable in game, il va coûter très cher, voilà, ça, c'est sûr, mais franchement ça fait plaisir de voir un peu de différence dans les icônes, voilà, il mixe un peu le tout, et c'est ce qui peut les rendre un peu plus attrayants je trouve sur ce FIFA 23. Ensuite t'as Stoichko avec le double 4, bon je pense que cette carte là les gars va être incroyable, je sais pas combien de fois on a dit incroyable dans la vidéo, mais voilà, vraiment pour le coup on est assez surpris, et agréablement surpris de ces icônes là. Bon, c'est une carte de ouf, beaucoup de force, beaucoup d'agression, des bonnes stats de dribble, une frappe de malade mental, une bonne stat de vitesse. Franchement cette carte là elle peut faire plaisir, elle peut jouer soit côté droit buteur ou côté gauche, ça aussi c'est important, très important, tu peux le faire jouer sur tous les fronts de l'attaque. Ensuite tu as bien évidemment Pelé à 96. Bon, c'est Pelé les gars, il n'y a pas forcément trop de description à donner, c'est vraiment Est-ce qu'il sera sur le marché les premiers jours, les premières semaines? Je pense pas. Attention parce que là il peut pas jouer à gauche. Je sais que sur sa version de base, et je sais pas sur sa version mine, mais je crois qu'il pouvait jouer à gauche. Là c'est juste MOC AT buteur. Ouais. Donc voilà, c'est peut-être la petite information à savoir sur cette carte là. Ensuite t'as Fabio Cannavaro, un joueur emblématique de la Coupe du Monde qui a gagné en 2006. Bon, c'est Cannavaro. C'est incroyable, les gars. C'est une carte assez incroyable. Il peut jouer juste défenseur central. Il peut pas être Lenti par contre, lui, non? Non, il pourra pas être Lenti. Si, il peut être Lenti si tu le donnes architecte. Si l'architecte, je pense qu'il peut être Lenti, les gars. En tout cas, c'est une super carte. Et Fabio Cannavaro, attention, c'est peut-être ça te vend pas peut-être du rêve in-game, mais je peux vous garantir qu'une fois que tu le testes, c'est incroyable. Tu vois, c'est pas une carte, entre guillemets, c'est un défenseur central. Peux poser des questions une fois que tu l'as dans un pack, mais teste-le in-game, tu vas te régaler. La prochaine icône, Samuel Eto'o avec, les gars, oui, ne me rêvez pas, 5 étoiles de mauvais pied. Tire en extérieur, tire en finesse. Cette carte de Samuel Eto'o, attention, parce que contrairement à Cannavaro, moi j'ai toujours été un tout petit peu déçu in-game de Samuel Eto'o. Il m'a toujours un petit peu déçu, maintenant... à voir avec cette carte là, avec cette 5ème étoile de mauvais pied, si justement je serais encore déçu.
En toute franchise, ça va rajouter un petit quelque chose en plus, cette cinquième étoile. Et là, tu peux voir les stats in-game. On se frotte les mains à seulement cette carte. Seulement un petit peu. Vincent, frère, c'est la cinquième étoile de mauvais pied. Ça va être un dalglitch en plus physique, ce qui est important dans ce FIFA 23 quand même. Il pourra pas être lenti, ça c'est sûr, mais franchement, forcément, en cinquième étoile de mauvais pied, ça change quelque chose. Ensuite, à George Adji avec la cinquième étoile de mauvais pied. Et pas de geste technique comme sur sa moments de temps en temps. Ok, ok, bah là, du coup, il peut jouer MOC, MC et milieu gauche. Limite en MC. Même en MOC, il peut faire le taf, les gars. Il va lui manquer MOC, c'est son poste. Ouais, il va lui manquer un peu de force à ce Adji, mais c'est pas mauvais. Attention, c'est pas mauvais. Un milieu de terrain qui a 5 étoiles de mauvais pied, il pourra te lâcher des passes à la Kevin De Bruyne, parce que tu peux voir passe courte 91, passe longue 89. Je trouve que c'est très important l'attribut des passes maintenant sur FIFA 23 League. Je suis d'accord avec Vince. Petite chose, pour les personnes qui nous regardent et qui sont un peu qui ont vu jouer George Adji, moi, ça me surprend un peu qu'il n'ait pas extérieur du pied ni tir en finesse, parce que moi, j'ai des visions de George Adji où il fait que des tirs de loin. C'était vraiment genre une excellente patte gauche. Donc, pour les personnes qui ont vu George Adji jouer, est-ce que c'est surprenant ou pas qu'il n'a pas ses caractéristiques de tir? Voilà, n'hésitez pas à nous dire ça dans les commentaires. Ensuite, t'as Lolo White, Laurent Blanc, qui peut jouer soit défenseur central du coup, soit MOC. Donc ça, c'est comme sa version de base, et ça et sa version mid aussi, je crois. Ouais. Mais voilà, c'est Laurent Blanc, c'est exceptionnel. Et là, attention, parce qu'il a 80 de vitesse. Avant, je crois, sur sa prime, il avait 79. Là, il a 80, du coup. Donc, ça sera cheaté une game, et ça sera l'un des meilleurs défenseurs centrales de ce jeu. Il n'y a aucun souci à se faire là-dessus. Et surtout, bon, en tant que Français, le président, ça fait toujours plaisir. Si tu peux l'avoir dans un pack, franchement, t'es trop bien. Ensuite, t'as Andrei Chevchenko. Double 4. Double 4. Là, c'est très intéressant pour cette carte de Chevchenko. Il pourra sûrement passer en architecte. Oh, je sais pas s'il peut passer. Est-ce que tu peux regarder justement, c'est juste à côté du taureau, là, juste à droite, juste à gauche. Voilà, c'est là. Est-ce qu'il peut être lenti? Non, il peut pas. Il peut pas être lenti. C'est dommage, mais il a une superbe carte et ça, son up d'étoile geste technique va rendre la carte un tout petit peu plus jouable. Surtout en plus, il peut jouer milieu droit, AD. Bon, moi, je ferais plus jouer en tant que buteur. Oui, c'est buteur seulement, mais ouais, c'est bizarre. Mais bon, il sera pas très cher parce que c'est Ukraine et comme il n'y a pas beaucoup de joueurs ukrainiens dans le jeu, il sera pas forcément si cher que ça. Ensuite, t'as Roberto Carlos en double 3 qui peut jouer soit défenseur gauche ou DLG. Surprenant qu'il n'ait pas extérieur du pied. Surprenant. Curieux. Bizarre. Pour le coup, très bizarre. Mais il a une superbe carte. Il a une superbe carte et attention, limite, tu peux faire jouer ça au milieu de terrain, Liam, non? In-game, tu peux potentiellement. Oui. Alors, oui, tu peux pas faire jouer ça au milieu de terrain, mais limite, de temps en temps, si t'as déjà Fernand Mendy, Amanda, mais que tu kiffes, voilà, tu peux potentiellement aussi créer quelque chose avec cette carte de Roberto Carlos un petit peu plus haut sur le terrain que seulement défenseur gauche. Ensuite, ça sera Peter Cech, le même cas que Igor Casillas. C'est pas une carte qui me hype trop, je vais pas vous mentir. Peut-être, je pense que in-game, il aura le casque. À voir. Même si sur sa dynamique, il n'y a pas le casque. À voir. Mais voilà, c'est pas une carte que j'aimerais avoir dans les packs. Ensuite, Patrick Vieira qui est dans les swaps, du coup, pour 40 jetons. Double 3. C'est peut-être le petit défaut de cette carte, les gars, de Patrick Vieira. Et encore. Patrick Vieira, ça et il peut pas jouer à MDC, c'est que MC. Ça a jamais été un skiller, etc. Donc en vrai, moi, ça me dérange pas. C'est Vieira, mais il sera tellement fort in-game, franchement. Si tu vas le récupérer pour 40 jetons, t'as ton milieu de terrain défensif jusqu'à la tot. Et encore. Tu vois, donc en vrai, c'est quand même une énorme carte. C'est incroyable. S'il était sur le marché, je pense qu'il coûterait très très cher. C'est une superbe carte. Ensuite, t'as Bastian Schweinsteiger qui est en double 3. Et là, il peut jouer MC et milieu gauche. Et là aussi, la dynamique est juste incroyable. L'image est juste exceptionnelle. Du même standing que Cafu dans mon manuel. Et il a lenti ou pas là? Je pense qu'il peut avoir. Non, il sera contrôle. Ok, c'est un peu dommage. Mais non, il aura lenti là. Bizarre. Il aura lenti. Il devrait avoir lenti, ouais. Bah, en tout cas, j'ai bien aimé. Je l'ai testé ce week-end. J'ai fait 18-2 avec. J'ai bien aimé en tant que box-to-box. C'était la version de base. J'aime bien son body type. Voilà. Donc, si toi aussi t'as envie de le tester en box-to-box, n'hésite pas, franchement. Une carte intéressante. Intéressante de ouf. Ouais. Moi, j'ai bien kiffé. Ensuite, t'as Gary Lineker qui a 4 étoiles de mauvais pied, 3 étoiles de geste technique. Bon, cette carte là, il a une bonne stat de finition, une bonne stat de vitesse. Mais je sais pas, moi je l'affronte jamais le Lineker. En fait, à chaque fois que je l'affronte, il me met des buts contre moi, mais cette carte là, elle me hype pas du tout. Enfin, je veux dire. C'est pas ce que ça vaut, les gars. Ouais, je sais. Mais elle va pas coûter cher, ça c'est sûr, elle va pas coûter cher, mais on sait pas ce que ça vaut. Ça peut être une carte potentiellement sous-côté, un game à tester en tout cas. Comme cette carte de Mikael Laudrup. Chaque FIFA, Mikael Laudrup, je le teste, il est franchement pas mauvais. Il est mauvais. Là, à voir potentiellement si ce sera une carte un peu cheatée in-game. Mais vu ses stats de tir, franchement, c'est pas une carte
qui me hype tant que ça. Donc dommage par contre. Une carte qui me hype les gars, c'est cette carte de Robin Van Persie. C'est sûr, si elle est sur le marché, je vais devoir me faire un Foot Champions avec. C'est sûr. Regardez même cette image dynamique là. Est-ce que c'est pas avec cette image qu'il a marqué le... Si, le c'est la tête de la Coupe du Monde contre l'Espagne. Ah. Mais ouais, c'est dommage que ils ont... Il rate une occasion, on est d'accord Vince ou pas? Il rate une occasion, ils auraient dû lui mettre 99 de tête. Ouais. C'est un des plus beaux buts de l'histoire qui a été marqué de la tête. Justement, ça aurait peut-être été une bonne opportunité de lui mettre 99 de tête, de précision tête, à voir. Peut-être après, ça aurait été trop cheaté. À voir. Peut-être, ouais. Je suis d'accord. Mais oh, tu vois, c'est ce genre de petites choses comme ça qui te disent, bah en fait, ouais, ça représente vraiment un événement qui est arrivé. On va le récompenser avec une grosse carte. Tu vois, ça aurait fait. Juste, regarde, faites un petit coup d'œil, les gars, au niveau des stats de tir. Juste un petit coup d'œil au niveau des stats de tir. Vous pourrez voir que Robin Van Persie, il va planter des buts pour vous, sans parler aussi du fait qu'il est extérieur du pays. En tout cas, cette carte de Robin Van Persie me hype énormément dans mon top 5 de cette vidéo. Hernan Crespo cette année avec l'icône Coupe du Monde, il sera pas en double 4, il sera en 4 étoiles de geste technique, certes, 5. Mais 5 étoiles de mauvais pied. C'est aussi, attention, une carte qui peut faire des ravages en Foot Champions, qu'il aura des très bonnes stats de tir, très 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 bonnes stats de tir, des plutôt bonnes stats de dribble, 87 ouais. d'agilité, 83 d'équilibre, c'est vraiment pas mauvais, surtout quand on pense aujourd'hui à la méta de FIFA 23. C'est juste les passes qui sont caca-culottes. Comme Dalglish. Hein, c'est passes longues, moins de 60, on se pose des questions. Hier, je pense pas que le joueur était aussi claqué que ça sur les longues passes. Dans la vraie vie, c'est dommage. Emmanuel Petit. Et alors là, attention. Là aussi, ça peut peut-être pas vous faire vendre du rêve une fois que tu l'as, ou si tu l'as dans un pack ou dans un SBC. Mais si tu regardes les stats in game, c'est là où tu te rends compte que attention, attention, c'est une carte qui va te faire beaucoup de bien dans ton club. Et surtout, il peut jouer MDC, MC et défenseur gauche. Voilà, c'est dommage qu'il peut pas jouer défenseur central comme sa version de base. Mais en vrai, cette version prime de Petit, c'était au milieu de terrain, il bossait le mitard et c'était pas en tant que défenseur. Et j'ai eu 20-0 avec ce Emmanuel Petit comme Lothar Matthäus. C'est des joueurs comme ça qui jouent pour ton club. J'adore cette mentalité. C'est des joueurs de l'académie pour l'instant. Il a cette fibre émotionnelle. Ensuite, t'as Davor Suker qui est en double 4. C'est une belle petite carte. Il a moins de vitesse que sa version mid, je crois. Mais il a plus de tirs, plus de dribbles. Et sa version mid est à 87 de général aussi, il faut le signaler. Donc là il passe à 88. Là c'est okay. Plus 1. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas une différence flagrante. Il y a juste, voilà, si t'es croate, Davor Suker c'est un joueur que tu devras essayer. Et je pense que c'était une photo de la Coupe du Monde 1998. La prochaine par contre, ça sera Zambrotta. Et là c'est une photo de la Coupe du Monde 2006, je m'en souviens très bien. Ouais. Il était injouable à la Coupe du Monde 2006. Il met un long shot qui m'a marqué, Zambrotta contre l'Ukraine. Du coup à la Coupe du Monde 2006. Et c'est pour ça en fait que je me souviens de Zambrotta à cause de ce tir de loin. J'ai jamais dit, mais il met un tir de loin du futur. Et voilà, ça m'a marqué de cette carte de Zambrotta. Et là il aura 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles de geste technique. Il pourra jouer défenseur droit, défenseur gauche et DLD. Donc voilà, il y a quand même une certaine polyvalence qui sera très 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 intéressant dans ce FIFA 23. Surtout si tu le fais jouer au mitard. Voilà, si une game tu le fais changer, tu le fais jouer en tant que milieu de terrain, relieur ou défensif, il peut bosser. Et les gars, pour terminer, bah y a Zizou forcément les gars, Zinedine Zidane. On t'a montré les 35 nouvelles icônes. Dis-nous laquelle tu es la plus hype. Pour moi personnellement, c'est Drogba, mais je sais qu'il va être très très cher. Et même Boatragano, je serais très excité de le tester. Les gars, qu'est-ce qu'on peut dire de Zizou à part le fait qu'il sera exceptionnel, il sera en lanty, il peut jouer MOC, MC, double 5. Il a combien d'endurance? Il a 87 d'endurance, 87 de force. Si Zidane il avait été dans les soies pour 60 jetons, je l'aurais fait direct. Je l'aurais fait aussi. J'aurais tout donné pour le récupérer. Donc voilà. Franchement, c'est une carte incroyable. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner en activant la cloche des notifications. Liam, quelle carte hype le plus là? Drogba, moi j'ai dit. Drogba ou Boatragano, toi? Moi c'est Van Persie, et je veux pas vous mentir aussi, cette petite carte de Luis Figo, elle a l'air intéressante à tester. Oui, aussi. Cette petite carte de Luis Figo, elle a l'air très intéressante à tester. Gros big up à vous les gars, merci du soutien. Moi c'est Vincent. Et moi c'est Liam, si t'es arrivé jusque là, tu dis Zizou le GOAT. Voilà. Bisous les frérots. Ciao.